amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la dernière saison, enfin la dernière émission plus exactement de cette saison, la cinquième saison, puisque bientôt on va fêter nos cinquième anniversaire de l'émission Synthèse sur TV Liberté, plus de 150, presque 160 émissions. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru, effectivement. Alors d'abord radio, puis ensuite radio et télé, et enfin télé. Et eh bien justement, puisque nous sommes en été, nous avons aujourd'hui un invité. D'abord, pardonnez-moi, je manque à tout devoir. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Comme la dernière émission, notre ami le professeur n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances. Donc c'est une mauvaise... C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui nous regardent, je vais être obligé de rester jusqu'à la fin. En plus, il est professeur, mais bon, l'émission est préenregistrée, donc si je dis en vacances, c'est normal, mais les gens vont croire qu'il ne travaille pas, parce que, alors qu'il travaille beaucoup, il s'occupe de ses élèves. Et on a un invité aujourd'hui, on a décidé de recevoir un invité un petit peu qui n'est pas un homme politique, quoique... qui n'est pas un écrivain, mais qui est très proche des livres. Vous avez écrit un livre ? J'ai écrit des pièces de théâtre. Ah, bah, okay. Je suis un dramaturge. J'ai des pièces qui ont été jouées dans plus de 50 départements. C'est pas vrai. Et bah, bien sûr. Je connaissais bien. Bien sûr, c'était à la grande époque du boulevard. J'ai écrit deux pièces, Appelle-moi papa et Bon séjour en Ukraine. C'était dans une vie antérieure, comme on dit pudiquement. Bon, alors je ne l'ai pas encore présenté, mais tout le monde l'a reconnu parce que c'est quelqu'un de célèbre. C'est un notable dans la famille nationale et identitaire et non conformiste. C'est un notable. C'est celui que vous retrouvez facilement tous les jours. Pas trop tôt le matin, parce que ça ouvre à quelle heure ? De midi à 19h, et du mardi au samedi. Et du mardi au samedi, à la Librairie Française, qui est une librairie non conformiste, ouverte depuis maintenant près d'une dizaine d'années au moins. Elle a été ouverte, je pense, en 2014. En 2014, mais le nom était célèbre, puisqu'il y a eu la librairie française de notre camarade Georgine Malirakis. Elle a eu deux adresses. L'adresse Coston et l'adresse Malirakis. Alors d'abord, je finis ma présentation. Oui, parce que... l'adresse de la librairie française. Laissez-moi parler, je vous prie de me laisser parler. Alors, que les choses soient claires. Nous recevons aujourd'hui notre ami Jean-Christophe, qui est libraire, à la librairie française. Mais ne croyez pas que nous avons une préférence pour la librairie française plus qu'une autre, puisqu'il existe un certain nombre de librairies non conformistes à Paris et aussi en France. Et on a décidé avec Philippe Randa, maintenant, de temps en temps, pas trop souvent, parce que... de temps en temps, de recevoir les libraires. Soit on donne beaucoup la parole aux écrivains, mais on aimerait bien aussi avoir un petit peu l'avis des libraires de temps en temps. Les libraires, donc, de ces différentes librairies. Alors, je citerai la librairie Duquesne du Fusion à Duquesne, la librairie Vincent à côté de la rue du Bourdonnais, la nouvelle librairie, rue de Médicis, et puis voilà, pour Paris, l'essentiel, les principales, je crois. Et la librairie française. J'ai peut-être oublié, non ? Et la librairie française. 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e. Dans le 15e, à côté du métro. Duplex. Voilà. Et la mode piquet, parce qu'il y a des travaux actuellement, je ne sais pas quand passera l'émission, mais c'est vrai que jusqu'à la fin de l'été, on ne peut plus prendre la ligne 6, donc il faut descendre à la mode piquet Grenelle. Alors la mode piquet Grenelle... Juste à côté de la Fédération Française de Football, pour ceux que ça intéresse. Ça vous intéresse, vous ? Cette librairie, on a le plaisir de vous retrouver, où il y a évidemment comme... qui dit librairie dit livre, et qui dit livre dit un choix de livres, en particulier les livres des éditions françaises, du Alpha et d'Eterna. Enfin, on va pas citer tous nos amis. Synthèse nationale, bien sûr. Je voulais se dire. Vous avez chacun votre coin. Nous avons chacun notre coin. On n'emploie pas le mot corner à la librairie française. La définition, les bons livres se trouvent dans les bonnes librairies. Alors, la librairie française a... Le nom Librairie française a une histoire. On a commencé à en parler tout à l'heure. A une histoire, la Librairie française a été créée dans les années 50, si je ne me trompe, par Henri Coston. Exactement. Dans les années, à la fin des années 70, elle a été reprise par Jean-Gilles Malirakis. Nous avons eu le plaisir de recevoir ici à cette émission. Mm-hmm. Et qui a tenu cette librairie française jusque
je ne sais plus exactement, mais dans les années 2000, je pense, ou quelque chose comme ça. Non, j'avoue, je ne sais pas. Oui, enfin, c'est, entre la fermeture de la librairie française de la rue de l'Abbé Grégoire et l'ouverture de celle partie Beauchasset, donc 2014, il a dû se passer que quelques années. Donc, il a repris le nom de la librairie française. Alors, c'est la même adresse, mais c'est le même nom et c'est un peu le même esprit, d'ailleurs. Bon, c'est un peu le même esprit, effectivement. Et puis, le nom n'était pas protégé, je veux dire. Ouais, c'est nouveau de mettre un nom à l'INPI pour occasionner des frais extraordinaires. Bah, je pense que le nom était libre. Thibaut de Chassel l'a repris parce qu'il était libre, je pense. Ça permet aaussi de préserver l'identité d'une librairie et que brusquement, ouais, c'est clair. Il n'y ait pas voilà, bien sûr, non, mais je pense que les gens. Librairies françaises, pour ne pas les nommer, qui vendent tout à fait autre chose que ce que vous vendez, vous. On a parfois des anciens qui appellent en disant : je connais bien votre librairie, je suis venu il y a 25 ans ou 30 ans. Ça arrive, pas souvent, Dieu merci. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas venus depuis 30 ans, donc on ne pourrait pas vivre quand même avec des clients comme ça. Mais il est vrai que le nom est connu. Le nom est connu, c'est un nom qu'on retient, en tout cas. C'est un nom qu'on retient, c'est un nom très simple. Et c'est un nom qui dit tout, parce qu'il y a un esprit français qui règne dans cette librairie, comme vous le savez. Oui. Alors justement, vous êtes libraire, et je viens de l'apprendre, pourtant ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît, mon cher Jean-Christophe, et je viens d'apprendre que vous étiez dramaturge. Oui, alors là, attendez, dramaturge, je l'ai été, même si je touche encore de temps en temps quelques droits d'auteur, je tiens à le dire. Ah, vous avez un éditeur sérieux, alors. Ouais, non, mais je veux dire, mais c'est vrai que ça, c'était... Si vous voulez, moi, je travaille à la librairie française, ça va faire 4 ans, en juillet 2017. J'y suis entré un peu par hasard, parce que quand je venais à Paris régulièrement avant pour mes métiers respectifs, si j'ose dire, j'allais à la librairie Duquesne. La librairie française n'existait pas, ou je ne la connaissais pas. Et donc, c'est très bonne librairie aussi. Très bonne librairie que je salue. Agréablement tenue. Bien sûr. Et très bon nom, surtout. Et très bon nom, le nom duquel est un nom... Mais je veux dire, on a d'excellentes relations avec nos concurrents, mais néanmoins amis ou amis, mais néanmoins concurrents. Et il est tout à fait normal qu'on ait des relations excellentes, puisque de toute façon, on achète à la librairie française des ouvrages qui sont édités par Chiré, comme on achète... Chiré étant la puissance tutélaire de la librairie Duquesne. Voilà, comme on achète également Fait Documents, édités par Vincent, on achète aussi les ouvrages de la Nouvelle Librairie, mais je ne connaissais pas la librairie française, et c'est tout à fait par hasard. Un jour, ma femme, je recherchais un travail depuis des années, mais je le recherchais mollement, parce qu'ayant fait de la politique du côté droit, j'avais peu de chance de trouver un boulot dans ma ville natale, Laval. Surtout du côté gauche. Oui, mais c'était pas tant du côté gauche, c'est que partir du moment où vous avez clairement exprimé certaines idées, les employeurs. Vous avez été conseiller municipal de Laval. J'ai été conseiller municipal de Laval de 2014 à 2020, et j'ai été tête de liste d'une liste soutenue par le Front National. À l'époque, on n'était pas obligé d'avoir sa carte, et je sentais déjà Marine un peu réticente sur certains thèmes, donc ça passait. En 2014. On a passé tant de là-dessus. J'ai été élu, c'était une liste de 45 noms, j'ai été élu conseiller municipal de Laval, donc ma ville natale, et il faut quand même savoir que j'avais tenu le journal municipal de ma ville natale pendant 13 ans. Donc ce qui me donnait une certaine légitimité. Pour être ma famille. Une connaissance de la ville, en tout cas. Exactement, parce que c'est un village, vous voyez. Donc ma famille est arrivée en mars 1922, ça fera bientôt un siècle, et c'est vrai qu'à Laval. Je connaissais beaucoup de monde, et grâce au Front National et grâce à mon nom, j'ai pu franchir les deux tours et être élu au conseil municipal de Laval avec un maire de la ville de l'époque qui était d'ailleurs le fils aîné du deuxième mari de ma mère. Donc c'était un peu cloche-merlien. Il a fait une belle affaire de famille, cette histoire. Mais oui, mais la France était ça il y a encore très peu de temps. Les gens se connaissaient. Malgré tout, les liens étaient conservés. Mais c'est vrai qu'il y avait du sport. C'était cloche-merlien. Gabriel Chevalier, qui a longtemps été d'ailleurs mon auteur préféré. Je tiens à dire que j'ai dû lire 15 ou 20 ouvrages de cet écrivain lyonnais qui est complètement ignoré aujourd'hui, qui avait écrit Durand, Voyageurs de commerce, Les héritiers œuf. J'étais un grand spécialiste de Gabriel Chevalier, qui était de gauche d'ailleurs, soit dit en passant. Mais le clivage droite-gauche n'était pas si important que ça pour moi. Il y avait des gens de talent à gauche à l'époque. Je pense qu'il y a des gens de talent à gauche et à droite. La gauche de l'époque n'est pas du tout celle de maintenant. Ça n'a strictement rien à voir. Sans être la gauche de Péguy, du petit peuple de France, etc., c'était une gauche qui était soucieuse d'un certain nombre de valeurs qui ont, hélas, un peu disparu. Je dirais que les valeurs de la gauche d'alors se retrouvent plutôt à droite, sinon plus à droite encore, aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Et quand on étudie les thèmes politiques à travers le temps, on s'aperçoit qu'en fait, regardez, Maurras et sa bande, si j'ose dire, étaient écologistes à l'époque. Vous avez des thèmes qui ont changé de bord, si vous me permettez l'expression. Mais c'est vrai que, je me suis retrouvé à la librairie française après plusieurs années de vache maigre. Et j'avoue avoir...
comme disait Jacques Lang en 1980, de passer des ténèbres à la lumière. Parce que là, je ne rencontrais que des gens qui pensent comme moi. Ouais. Alors que les gens que je connaissais avant en Mayenne, à chaque fois que je devais prendre la parole ou m'exprimer, « Ah, tu ne devrais pas dire ça, il ne faut pas dire ça, c'est méchant, ne dis pas ça. » Et là, vous êtes même à modérer à la librairie française. Modéré, je ne sais pas si j'irai jusque-là. En tout cas, les clients qui viennent sont toujours bien reçus. Il y a une liberté de ton. Est-ce qu'il y a de temps en temps, rarement sans doute, mais est-ce que des gens qui rentrent et qui ne partagent pas du tout les idées de la plupart des livres diffusés de la librairie française ? C'est arrivé deux, trois fois avec des jeunes femmes un peu agressives. Hein, notamment, il y a peu de temps, un couple de, comment dit-on, lesbiennes, on peut employer ce terme. LBTQ. Deux femmes arrivent. On dit azerty maintenant. Ouais, deux femmes arrivent, une mignonne et une moins jolie. Mmh. Et c'est la moins jolie qui vient vers moi, la mignonne reste à la porte d'entrée. Et la moins jolie me dit de manière agressive, avez-vous, pourquoi je déteste les hommes ? Alors là, j'avoue que j'étais très surpris parce que... On déteste personne, madame. Non, mais c'est le titre d'un livre. Pourquoi je déteste les hommes ? Je me souvenais... Cette dame... Fouest. Non, c'est pas Coffin. Ah non, c'est pas ça son bouquin. Vous parlez du petit frère de Philippe de Villiers. J'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à Philippe de Villiers. Alice Coffin, l'élu du Conseil de Paris, qui ne regarde pas de films tournés par des hommes, qui n'écoute pas de musique. C'est pas elle qui a écrit un livre comme un titre comme ça. Non, non, c'est peut-être. Attendez. J'ai pas lu. Roland, c'est peut-être elle qui a écrit le livre, toujours est-il que nous ne l'avions point. Ouais, hein, ouais. Et la jeune femme très agressive. Pourquoi je ne déteste les hommes. Et je pensais à un livre de Patrick Goffman, Bat ta femme tous les jours, un petit livre. J'ai fait un rapport direct entre les deux. Dieu merci, je me suis tu, parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un qui arrive à la librairie française et qui ne pense pas du tout comme nous, si j'ose dire, au sens large, il faut être très méfiant avec le portable, avec les histoires de réseaux sociaux. Ou l'autre derrière J'ai pas eu envie de me retrouver avec 600 lesbiennes dans la rue en voulant ma peau. Hein, on a eu 600 personnes dans la rue, et vous le savez, quand il y avait eu la dédicace de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais il voulait pas ta peau. Là, il voulait pas votre bien peau, sûr que non, mais vous en aviez parlé dans le livre que vous aviez édité à l'époque, le guide du Paris réac et facho. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je me permets de le dire, puisqu'on reprend un peu à la paresseuse l'histoire de la librairie française, il y a eu quand même une grande date, le 15 mars 2018, puisque nous avons reçu Jean-Marie Le Pen pour la dédicace du premier volume de ses mémoires. Et il y a un kilomètre de queue, non ? Un kilomètre. J'exagère, mais enfin bon. Oui, mais peut-être deux, je ne sais pas, j'y étais pas, j'étais dans la boutique. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la presse avait fait le forcing pour une raison simple, c'est que Marine, à l'époque, organisait son congrès ce jour-là. Et les radios, plusieurs fois par jour, martelaient. Ouais. Et pendant que Marine Le Pen réunira ses militants, je crois que c'était à Lille, Jean-Marie Le Pen dédicacera le premier tome de ses mémoires dans une petite librairie d'extrême droite du 15e arrondissement. Et on a vu... Écoutez, je ne veux pas trahir un secret, mais on a vendu 400 exemplaires du tome 1 des mémoires de Le Pen, et il y a dû avoir 700 personnes à passer à la librairie ce jour-là. Je rassure les gens qui voudraient venir et qui n'aiment pas la foule, c'est quand même pas tous les jours une telle affluence. Non, En fin de semaine. ça a boosté, non, puisque ça existait depuis 4 ans, mais c'est vrai que ça a donné une notoriété, visibilité, c'est le terme qu'on emploie, visibilité, et les gens étaient surtout très contents de venir voir le menhir. Et là-dedans, dans la population qui est venue ce jour-là, je vous assure qu'il y avait au moins 40% de personnes qui n'avaient jamais voté Le Pen. Ça se voyait. Je ne veux pas donner de signe extérieur d'appartenance politique, mais les gens venaient voir la vedette, les gens venaient voir la star, entre guillemets. Et achetaient son livre. C'est le tome 1. Il faut dire qu'il est remarquable. Un livre tout à fait remarquable, mais le tome 2 l'est tout autant. Mais le tome 2, c'est plus politique. Mais le tome 1, c'était l'histoire du petit Breton, etc. Son ode à la Bretagne dans le tome 1. Bien sûr. Roland, vous êtes breton ou... Ah non, je ne suis pas breton. Vous êtes de cœur, vous y habitez, vous êtes de territoire. J'habite en Bretagne, mais je ne suis pas breton. Vous savez, connaissez la réplique d'Olior Mordrel lors de son procès. Olior Mordrel, qui était l'un des chefs du mouvement autonomiste breton dans les années 30 et 40, et après même d'ailleurs, le président du tribunal lui dit, mais enfin écoutez, monsieur Mordrel, vous êtes autonomiste breton et vous êtes né à Paris. Il lui a répondu, et alors je serais né dans les eaux, est-ce que je serais une girafe pour autant ?
C'est très bon, mais ça... Mais Alan... ça n'a certainement pas arrangé son cas. Non, mais Alan Stivell, vous savez, qui avait été à l'origine du revival BZH dans les années 70 avec sa harpe celtique, Alan Stivell, né cochevelou, je crois qu'il est né à Paris. Hein, voilà. Donc, mais là, vous touchez un point sensible, puisqu'étant mayennais et allant en colonie de vacances à Pouldrosic, le pays du pâté naf, je ne vais pas me lancer sur ce sujet, vous voyez. Ouais, bon, parce que la Mayenne, c'est le confin du pays breton. Mais la Mayenne a une personnalité un peu particulière, effectivement, c'est de ne pas en avoir, en quelque sorte. Puisqu'on n'est ni Vendéen, ni Normand, ni Breton. Mais Philippe Romba... on est un carrefour, je connais maintenant de fait bien, la Mayenne. Nous avons un Goronais. Voilà, vous êtes voisins. On est voisins, c'est quand même assez loin, Goron. Ouais. Puis c'est le Nord-Mayenne. Donc le Nord-Mayenne, c'est quand même un peu la Sibérie pour nous. Vous voyez c'est quand des êtres peu... C'est marrant, ce jour je passais à Goron, j'entendais des gens qui parlaient de Laval, ils nous expliquaient que c'était quasiment le désert. C'était les étrangers, c'est déjà le sud. Mais là encore, c'est tellement français d'avoir des clivages entre... village parfois distant de quelques dizaines de kilomètres. Enfin, je suis content qu'à cette antenne, on compare Laval et Goron. Pour ceux qui connaissent, il y a quand même une certaine différence. Oui, mais Goron, vous avez les rillettes goronaises. Voilà. Et quand une commune a la chance d'avoir une entreprise, que je salue d'ailleurs, de Jean-Rémy Cousin, je ne sais pas s'il regarde votre émission, et peut-être qu'il vous invitera. Nous sommes il y a un nombre de plus en plus important de Oui, ouais, puis je vais mettre le paquet quand on sera en Mayenne la semaine prochaine. Ouais, bah, mais Goron, ce sont les rillettes goronaises, alors que Laval... Excellente. Alfred, Laval, c'est la ville d'Alfred Jarry, c'est la ville d'Henri Rousseau, c'est la ville d'Alain Gerbaud, c'est la ville d'Ambroise Paré. Alain Gerbaud et de Laval. Alain Gerbaud et de Laval. Ambroise Paré était de Laval, parce qu'ils ont passé très peu de temps à Laval, puisque, évidemment, ils ont... Mais si vous voulez, quand vous restez à Laval, vous avez peu de chances d'être célèbre, il faut le dire. Alain Gerbaud, il est connu. Ils ont quitté la Mayenne, et d'une certaine manière, ils n'aimaient pas tellement leur pays. Jean-Christophe Roux est connu. Jean-Christophe comment ? Fourreau. Non. Bruyot. Hein, Bruyot. Oui, ouais. Oui. Connu parce que Canal Plus avait eu, je dirais, l'idée de venir me filmer. Et bon, bref, il y a eu 3 millions de personnes qui ont vu ce petit film. Mais cela dit, pour parler sérieusement, le Mayennais, sa devise, c'est « le bien ne fait pas de bruit ». Et pour être heureux, vivons cachés. Alors, je sais bien que d'autres pays peuvent dire ça, mais c'est quand même très marqué chez le Mayennais d'être un silencieux, un taiseux, vous voyez. On sent que ça vous... Oui, c'est pas le genre de la maison, là. Non, mais moi, j'ai été conçu à Paris, qu'à Voltaire. Mes parents étaient en voyage de noces. Ils allaient à Venise, le truc classique. Mon père et ma mère s'étaient mariés en retard à cause de la guerre d'Algérie. Et j'ai été conçu qu'à Voltaire dans l'hôtel qui a reçu Wagner, qui a reçu Oscar Wilde, enfin, vous voyez, des célébrités comme celle-là. Alors peut-être que ça ne fait pas de moi un vrai Lavallois et un vrai Mayennais. Mais alors, comment, quand on est Mayennais de souche comme ça, on s'adapte aussi bien à Paris ? Bah, très bien, moi, j'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai fait mes études à Paris. On a vécu jeune marié avec ma femme à Paris. Moi, c'est... Laval ou Paris ? Paris ou Laval ? C'est pas New York, Athènes ou... Non, c'est Paris ou Laval. Vous êtes ce que l'on appelle un enraciné. Je suis un enraciné. Voilà, je suis un enraciné. Comme on l'aime, quoi. Bah, disons que je ne vois pas comment on peut être d'un pays si on n'est pas un peu enraciné, même s'il y a des cosmopolites de qualité. On vend aussi des cosmopolites et il y a des cosmopolites. Ah, finissez votre histoire là, avec les deux là, qui sont venus. Alors, les deux dames qui, visiblement, vous l'avez pas quand même très modérément. Si vous voulez, j'ai essayé de calmer le jeu et puis elle est partie. Je lui ai dit qu'elle trouverait certainement à la FNAC ce type d'ouvrage. Elle m'a dit, mais pourquoi la FNAC? Bah, j'ai dit, parce que manifestement, c'est un thème qui est dans l'air du temps. Et nous, vous comprenez, comme on est réduit par les mètres carrés, on ne peut pas avoir tous les ouvrages. J'étais un peu focus sur cette affaire-là. Mais elle savait où elle mettait les pieds, non, ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Et les 3 ou 4 fois où j'ai eu des problèmes... Donc elle était mal aimable par nature, quoi. Mais elle était mal aimable par nature, ou alors elle n'aimait pas ma trogne, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'était une femme agressive, et c'est très dommage. Parce elle a peur que vous séduisiez son ami. Peut-être une fois rentrée, elle a vu les livres. Non, mais si vous voulez, on n'insiste pas avec des gens comme ça, parce que je suis quand même dans le commerce, vous voyez. Ouais. Et dans le commerce, qu'on le veuille ou non, on est obligé de respecter les personnes, toutes les personnes qui viennent à la Union française. C'est normal. Non, mais... C'est quelque chose auquel je me suis très bien attaché, très bien, comment dirais-je, très bien fait. Et je me suis souvenu que j'avais un grand-père commerçant qui était quincaillier, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en 1949, hélas. Ma mère aurait pu vendre, comme on dit, des réfrigérateurs à des Esquimaux. Et c'est vrai que dans la famille, on a une certaine propension à être agréable avec les gens qu'on rencontre, et alors encore plus avec les gens qui viennent acheter chez nous. Vous voyez. Bien sûr. Alors donc, la librairie française, c'est aussi le thème de cette émission.
Qu'est-ce qu'on vend à la librairie française? Si on ne vend pas les bouquins d'Anne Coffin, on peut commander toutes sortes d'ouvrages. Mais il y a un site internet aussi. La librairie française, il faut savoir qu'effectivement, il y a un site internet et que nous vendons peut-être maintenant 60% de nos ouvrages par l'internet. La plupart des librairies qui marchent fonctionnent grâce à l'appui d'Internet. Voilà, je dirais, hélas, d'un certain point de vue, parce que quand on trouve que le monde évolue d'une manière numérique beaucoup trop marquée, on est obligé de reconnaître que sans Internet, eh bien, le confinement nous aurait tués. Mais vous avez des ouvrages spécifiques aux librairies que vous avez citées, librairies que, comment Charlie Hebdo a qualifié au mois d'avril de fachothèque, parce qu'on a eu droit à un article, une bande dessinée sur les 5 librairies que vous avez citées tout à l'heure, avec le comptoir des monastères, qui est l'ancienne librairie Notre-Dame, puisque la librairie Notre-Dame n'existe plus, mais elle a été remplacée par la, c'est assez compliqué comme nom, le comptoir des monastères, et ils appellent ça les fachothèques. Donc nous avons effectivement plusieurs thèmes qu'on retrouve à la librairie française, et en même temps, vous avez aussi des livres qu'on peut trouver à la FNAC. Là, le bouquin de Buisson, actuellement, vous le trouvez à la FNAC, La fin d'un monde. Le bouquin de Villiers, le jour d'après, vous le trouvez à la FNAC. Il y a un grand nombre d'ouvrages édités chez des grands éditeurs qu'on trouve partout. Mais effectivement, Le livre d'Éric Zemmour aussi, je pense. Éric Zemmour, nous l'avons reçu, ça nous a été beaucoup reproché, mais c'est parce qu'on reçoit Éric Zemmour qu'on peut aussi vendre des ouvrages qui ne sont pas d'Éric Zemmour. Vous voyez, on est obligé un peu de ménager le centre droit et puis la droite nauséabonde. Parce que nous avons des ouvrages que je ne citerai pas, mais que nous avons évidemment le droit de vendre. Mais nous avons des ouvrages, en fait, sur des thèmes qui évoluent. Mmh. Vous voyez, je pense qu'au départ, quand la librairie française a été créée, les ouvrages catholiques traditionnalistes avaient le vent en poupe. Je ne dis pas qu'ils n'ont plus le vent en poupe, mais ce qui marche le mieux maintenant, c'est ce qu'on appelle la face cachée, le nouvel ordre mondial. Les gens se posent de plus en plus de questions sur ce qui arrive et sur ce qui se passe. Et il est vrai qu'il y a des auteurs comme Pierre Hillard, des auteurs comme Claire Sévrac, des auteurs comme Serge Monaz, des auteurs comme Lucien Cerise, qui sont des auteurs, je pense, qui étaient pelus il y a 5 ou 6 ans et qui maintenant se lisent énormément parce que leurs livres sont dans le vent du temps. Exactement. Et beaucoup de gens se disent, mais comment se fait-il que les choses se passent si mal? Il y a quelque chose derrière, il y a une embrouille derrière tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la face cachée. Et c'est vrai que ces ouvrages-là ont tendance à croître beaucoup. À côté de ça, nous avons les ouvrages des éditions de Alpha, d'Eterna, etc., sur la Seconde Guerre mondiale, notamment, mais pas seulement, des ouvrages plus historiques. Nous avons des ouvrages catholiques, bien sûr, avec les catholiques contre-révolutionnaires, vous savez, qui voient dans la Révolution un caractère sataniste très marqué, les Monseigneurs de Lassus, les Monseigneurs Gaume, etc., les générations d'après avec Gustave Thibon et la génération actuelle avec, par exemple, un auteur comme Adrien Abosi. Vous voyez, Adrien Abosi est un auteur qu'on vend beaucoup, qui se décarcasse beaucoup sur Internet. Je profite de l'occasion pour le remercier pour les coups de pub qu'il donne à la librairie française, parce que c'est vrai qu'il y a toute une clientèle, si j'ose m'exprimer ainsi, d'auteurs qui se décarcasse sur Internet. Et on voit bien que quand un auteur se décarcasse sur Internet, eh bien, il y a des ventes. C'est l'éternel problème. Un certain nombre de gens écrivent des livres et sont persuadés qu'une fois qu'ils ont écrit leur livre, la France entière sait ce qu'ils ont dit. Non, c'est un livre, c'est bien gentil. J'ai l'habitude de dire. C'est bien gentil d'écrire un livre, mais encore faut-il qu'il soit diffusé. Et on les auteurs en particulier, que le plus difficile, c'est pas d'écrire le livre. Le plus difficile, c'est pas d'éditer le livre. Le plus difficile, c'est la diffusion dans tous les sens du terme, tout ce qu'il faut. Et je dis souvent aux auteurs, le meilleur moyen de vendre votre livre, prenez votre bâton de pèlerin et allez dans les salons du livre, dans les dédicaces, dans les librairies, faites-en parler autour de vous. Tout ce qui est possible. Une fois qu'on a écrit le bouquin et qu'on dit c'est terminé, le livre est là, tout le monde entier va sauter dessus. Parce que le sujet est tellement important. Je pense que l'auteur a tellement investi qu'au bout d'un moment, il finit par se prendre pour un auteur extraordinaire. Donc si vous voulez, il a son livre. Son livre. Ah, c'est un peu comme un bébé. Alors il faut quand même dire aussi, vous voyez, par exemple, je prends un exemple, l'exemple d'Alain Pascal. Que vous connaissez bien, Philippe, j'étais son premier éditeur. Qui vient de ressortir La Renaissance, cette imposture, et qui va sortir L'Intelligence du christianisme bientôt. Alain Pascal a découvert dernièrement. Que nous avons reçu ici, d'ailleurs. Certainement, attendez. Comme Adrien Abosi, d'ailleurs. Bien sûr, mais attendez, là, vous recevez un vendeur polyvalent. Vous êtes dans le bas de gamme en ce moment. Alain Pascal, avec l'ancien vendeur polyvalent de la librairie française, un certain Geoffroy, a découvert l'Internet et fait des vidéos.
Et depuis qu'il fait des vidéos, c'est-à-dire depuis 4-5 mois, il vend peut-être deux fois plus de livres. Voilà. Ah oui, oui. Parce que les gens le voient. Alors, il y a aussi... je vous dis ça, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des vidéos et il y en a presque trop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir. Il faut sélectionner. Mais il y a toute une clientèle catholique, plus ou moins, qui s'intéresse à la gnose et qui est prête, par l'intermédiaire d'Internet, à se cultiver et à se renseigner. On voit d'ailleurs beaucoup de jeunes catholiques, de gens qui se convertissent. C'est pas moi qui les convertis, mais ils viennent à la librairie française parce que ça y est, ils ont découvert le catholicisme et ils veulent aller... ils veulent acheter des ouvrages de référence qui sont des ouvrages du catholicisme traditionnel. Ouais. Nous, on s'arrête à Pie XII. Ouais. Les papes après Pie XII, si vous voulez, bon, on en vend très peu. Hein. Et les auteurs qu'on a sont effectivement des auteurs, je dirais, traditionnalistes ou c'est des vacantistes. Mais Internet a relancé la lecture, contrairement à ces gens qui se plaignent d'Internet en disant « les gens ne lisent plus à cause d'Internet », ce n'est pas vrai. Sur Internet, alors maintenant il y a toutes les vidéos, bien sûr, mais au début d'Internet, il y avait surtout que des textes écrits. Il y a toujours beaucoup de textes écrits. Elle a aussi fait exploser la pornographie, elle a fait exploser les sites de jeux. On n'a pas inventé la pornographie qui explosait déjà bien avant Internet. Non, je ne pense pas, il y a une époque où c'était... Internet a fermé les cinémas porno. J'ai connu mon oncle qui avait mis une femme nue dans son calendrier de la quincaillerie, c'était quand même pas de la pornographie, comme on peut le voir, même si effectivement, en regardant... Le calendrier Pirelli. C'était même pas Pirelli, c'était Pirelli, c'est le haut de gamme, si j'ose dire. Mais sincèrement, non, il faut quand même reconnaître que l'Internet peut donner le meilleur. Oui, voilà. Oui. Et d'ailleurs, j'ai compté derrière... la littérature aussi, le cinéma aussi, le théâtre pareil, aussi. Pas pareil, là, ça exige un effort. Les pièces de théâtre subventionnées par le ministère de la Culture, c'est pas le pire de ce qu'on peut faire. Non, mais je veux dire, c'est pas le cerveau reptilien. Attendez. Grâce à Internet, on peut regarder TV Liberté. Donc là, il y a le meilleur. Et y a toujours alors le je me tais, pire, je n'ai plus rien à dire. Il y a toujours le pire. Le problème, l'outil, tout dépend ce qu'on en fait. Voilà. Si on en fait du mal, c'est du mal. Si on en fait du bien, c'est du bien. Oui, Il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, mais c'est mal, vous vous rendez compte. Ah oui, il y a le porno, il y a ci, il y a ça, il y a des scènes de violence. Tout ce... Ok, bon, très bien, mais il y a aussi le reste, il y a aussi tout le reste. Et puis tout dépend ce qu'on en fait. Voilà. Si on occupe l'outil en faisant des bonnes choses, eh bien, ça sera quelque chose de bien. Si maintenant ça doit rester uniquement quelque chose, ça restera ce que ça sera. Voilà, écoutez, je vous dis de toute façon, tout dépend de chacun d'entre nous. J'aurais tendance, moi étant toujours entraîné par les extrêmes, à considérer que c'est l'enfer net d'un livre d'un certain Lacroix qu'on vend très bien et qui montre que c'est la dernière étape avant la puce. Mais je n'entrerai pas dans ces considérations-là, je le fais avec certains clients. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas l'Internet, on ne pourrait pas vivre. Ben voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a dit ça... Grâce à Internet, on fait connaître des tas d'auteurs qui ne passeraient pas. Vous savez, on va parler un petit peu de l'émission. L'émission Synthèse qu'on anime avec Philippe depuis 5 ans, comme je disais tout à l'heure. C'est aussi... les auteurs que nous recevons sont des auteurs qui, hélas, j'ai bien hélas, moi j'aimerais bien qu'ils soient reçus le vendredi soir sur une chaîne, ce serait très bien, j'en serais fort aise. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est des auteurs qui sont boycottés par... Et encore, s'il y a un petit changement, d'ailleurs, depuis quelques années, on l'observe sur au moins une chaîne de télévision. Mais il n'empêche que si on les reçoit, c'est parce que grâce à ce genre d'émission, et je dis pas ça pour jeter... Pour s'auto-satisfaire, c'est pas du tout ça. Mais c'est ce qui permet de faire connaître des tas d'auteurs. De toute façon, on ne peut plus rien faire sans. Aussi dans les radios, Le site internet de la librairie française, assez bien fait. On essaie d'être le plus efficace possible, mais évidemment, on doit tenir compte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la grande dinguerie là, et les confinements successifs, les librairies qui s'en sont bien sorties sont des librairies qui avaient un site internet et qui vendaient Bien sorties. Ah oui, mais attendez. Ceux qui n'avaient pas d'internet étaient morts. C'est miraculeux d'exercer un métier qui vous plaît. Depuis 4 ans dans le contexte actuel. C'est une chaîne, hein, la librairie, c'est un maillon de la chaîne avec l'édition, avec l'éditeur, l'auteur. Oui, mais la librairie, je pense que je remercierais beaucoup de concurrents qui sont 95% gauchistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vendent des bouquins qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il faut dire que notre force aussi, c'est de vendre des ouvrages qui répondent aux questions que les gens se posent. Tout à fait. C'est et ça qui compte. On vend des bouquins qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne les trouve pas ailleurs parce que les libraires n'ont qu'à les prendre. Ils ne veulent pas les prendre. On vend du Bernard Lugan, par exemple, beaucoup. C'est un auteur qu'on vend. J'ai mis le nom des auteurs qu'on vend le plus, la Lugan.
Dugan, hein, Abosi, Pierre Hillard, Sora, Laberriou, Rissène, etc., Guillaume Fay, Jardin, celui qui a perdu sa fille au Bataclan, bon, sont des auteurs que vous ne trouvez pas partout. Non, non. Bon, ben, si nos concurrents veulent les vendre, on ne peut pas le... Voilà, ben, ils n'ont qu'à les vendre. Mais si vous êtes sans arrêt avec la crise des migrants, le type qui veut changer de sexe, etc., les gens n'en peuvent plus de ces sujets-là, vous comprenez. Et les gens qui viennent à la librairie française, il faut le dire franchement, viennent autant pour le contact humain que pour les livres. C'est ça, la force du truc. C'est que les types viennent pour passer un bon moment et jamais on ne met quelqu'un dehors. Ce qui ne veut pas dire, messieurs, que vous allez passer 5 heures d'affilée à chaque fois, mais il est vrai qu'on a... Si au bout de 5 minutes, ils n'ont pas acheté, vous les direz. Non, attendez, au bout de 5 minutes. Si le type est venu 50 fois et qu'il n'a jamais acheté un synthèse national ou un bouquin de Randa... C'est parce qu'il est abonné. Mais je ne connais pas de gens comme ça. C'est parce qu'il est abonné. Non, parce que les gens qui viennent chez nous, malgré tout, sentent bien que s'ils n'achètent pas... La boutique, le lieu où ils vont discuter, se faire des amis, n'existera plus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'ils achètent également chez Duquesne et qu'ils achètent également chez Vincent, puisqu'on est un peu dans un mouchoir de poche. Vous parliez tout à l'heure de concurrents, tout en ajoutant bien évidemment que c'était des amis et des gens avec qui vous travaillez. Mais en fait, plus il y a de librairies sur un secteur, des librairies non conformistes comme vous, plus vous aurez de clients, plus automatiquement ça fait un effet de propulsion qui est important. C'est pour ça qu'il n'y a, pas de rivalité ou de mauvaise concurrence. Non. Au contraire. Non, parce qu'en plus, les gens qui viennent dédicacer, nous on fait pas mal, on organise beaucoup de dédicaces, les gens qui dédicacent, des dédicaces chez Duquesne ou chez Vincent. Voilà, donc si vous voulez, et en plus, je vous dis, pour le type qui ne sait pas quoi faire de sa journée, enfin, je veux dire qu'il veut aller discuter avec Pierre-Paul Jacques, eh bien, il fait les trois. Et on a des clients comme ça. Au moment du confinement, il y avait un type... Il y a beaucoup de gens de province aussi qui viennent à Paris. Ouais. Ils sont contents que les trois librairies ne soient pas loin, parce que justement, ils vont aller en acheter, hein, parce que ce n'est pas forcément les mêmes livres qu'ils vont trouver. On préfère qu'ils passent le plus de temps possible à la librairie française, évidemment. Hein, et on fait tout pour qu'ils y restent. Vincent dire la même chose. Non, mais bon. Les amis de la diffusion, la même chose. Et puis Vincent, en plus, c'est un Mayennais. Il habite en Mayenne. Je crois que l'élite française est un peu regroupée en Mayenne. On avait fait comme ça. La vie intellectuelle mayennaise, c'est quelque chose. On avait fait connaissance parce qu'il avait vu un type une fois le samedi soir, puisqu'on prend le train ensemble le samedi soir, qui lisait Rivarol dans le TGV. Pas beaucoup de gens qui lisent Rivarol dans le TGV. D'ailleurs, ça ne choque plus personne connaît Rivarol. Alors, soyez pas désagréable. Non, dans le TGV, je peux vous garantir, Roland, que dans le TGV, de 21h09, Paris-Montparnasse-Laval, les gens qui connaissent Rivarol, non. Non. Ouais, peut-être plus que vous croyez. Mais moins que vous pensez. Vincent et vous déjà. C'est vrai que c'est curieux d'avoir Randa à Goron, Vincent, alors lui, il est à L'Aubrière, il est frontière. Pas l'adresse. le seul véritable Mayennais, je m'excuse messieurs, mais c'est quand même l'enraciné que vous avez devant vous, puisque nous y sommes de toute éternité. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit depuis 1952. Attendez, 1922, en ce qui concerne mon arrière-grand-père, qui est venu vivre la maison que j'occupe toujours, et qui était à Maisoncelles du Maine. D'accord. Il est venu parce que ses trois fils trouvaient que Maisoncelles du Maine était un peu fou. À Paris, il y avait les Auvergnats dans les brasseries, et il y a, maintenant on le sait, les Mayennais dans la librairie et l'édition. Plutôt droitard, on peut parler de national. L'édition nationale non conformiste est tenue par les Mayennais. Ça, c'est une nouvelle importante. Amis téléspectateurs, sachez-le, le Mayennais a sa place à Paris. Mais vous, Roland, vous ne passez pas par la Mayenne à chaque fois. Vous allez chez Philippe tellement souvent. Moi, c'est à mi-chemin entre chez moi et Paris. Alors, donc à mi-chemin, donc vous êtes un peu mayennais. Voilà. Bon, alors, chers amis, parlons sérieusement, et nous allons tous pouvoir constater l'immensité de la pensée mayonnaise, puisque nous abordons un autre aspect de notre émission. Oui. C'est là la fameuse chronique de Philippe Randa, chronique que l'on retrouve sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien présent. Voilà. Présent qu'on trouve à la librairie française, j'imagine. Écoutez, il y a des hauts et des bas parce que je crois qu'ils ont un peu changé leur politique commerciale pour des raisons financières. Mais bon, sur le principe. Mais sur le principe, bien sûr. En tout cas, on a tous les hors-série de Présent. On a reçu Francis Bergeron, je sais que c'est pas facile la distribution du quotidien. Le quotidien, c'est pas facile. Francis Bergeron, c'est vous compliqué. Dire, ouais. Très compliqué. Philippe, alors. Eh bien, moi, je vous emmène. Bienvenue dans le monde 2.0. L'excellence des capacités, intelligence, capacités naturelles, travail et toutes ces sortes de choses est-elle aujourd'hui un handicap? Le jeune Samuel Dan, diagnostiqué HPI, haut potentiel intellectuel, et qui, selon son professeur de mathématiques, est un élève brillant qui s'intéresse beaucoup aux mathématiques, mais plus aux mathématiques de l'après-bac qu'aux mathématiques que nous faisons ensemble en terminale.
tellement brillant avec son QI de 152. Il joue au piano et aux échecs depuis qu'il a 3 ans, comme tout un chacun ne le fait pas forcément. Qu'il est passé directement de la seconde à la terminale sur les conseils de la référente HPI du rectorat de Paris. Les lettres de recommandation adressées aux classes préparatoires de ses professeurs sont évidemment dithyrambiques. Autant sur ses capacités. Mon interrogation n'est pas de savoir s'il réussira polytechnique, mais s'il sera dans les 10 premiers, dit son professeur de mathématiques. Que sur sa personnalité, j'ai ainsi été frappé à plusieurs reprises par ses connaissances, sa culture personnelle et la maturité dont témoignent ses remarques compte tenu de son âge, pour son professeur de philosophie. 2 ans d'avance au compteur, 18,5 sur 20 de moyenne, mais pas de place pour lui en prépa sur Parcoursup. Alors qu'il rêve d'intégrer Polytechnique pour faire de la recherche en mathématiques fondamentales. Pas de place. La raison ? Pas de raison. Sinon l'hypothèse que son père aimait. Ayant sauté une classe, il lui manque les bulletins de première. C'est ce qui lui a porté préjudice, je pense. Ou peut-être bien plus effrayante encore, celle de Samuel lui-même. J'ai l'impression que c'est un logiciel qui a classé les dossiers. On connaissait les mésaventures des sous-doués depuis le succès des 2 films de Claude Zidi lorsqu'il passait le bac, 1980, puis partait en vacances, 1982, voire pour certains mauvais esprits dans leur comeback lors de la crise du Covid au sein du Conseil scientifique et du gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais jusqu'à présent, on ignorait que les surdoués, plus rares forcément, rencontraient finalement tout autant d'embûches dans leurs existences, moins amusantes, elles. C'est pas très réjouissant, hein. Non, mais voilà, où la méritocratie. C'est marrant que vous parliez de ça, Philippe, parce que j'ai vu les sous-doués, j'ai revu les sous-doués passe le bac il y a 15 jours en famille. Ouais. Ça a quand même beaucoup vieilli. Hein. Ouais, on a le plaisir de retrouver Maria Pacôme, de retrouver Daniel Auteuil, hein, mais et puis quelques auteurs, quelques acteurs qui sont morts maintenant. La jolie blonde, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Grâce de Capitani, voilà. Ah, elle joue là-dedans ? Oui. Ouais. Bah écoutez, les sous-doués, j'ai regardé ça, mais. Mais bon, je vieillis, hein, donc c'est comme les petits morceaux de musique minables qu'on écoutait quand on était jeune. Je me rappelle avec nostalgie de ces 2 films, effectivement, j'ai adoré, j'aimerais bien les regarder, ils sont sûrement vieillis, mais c'est quand même une époque, figurez-vous. C'est ça. Surtout après la grande dinguerie qu'on vient de traverser là, avec le Covid. D'ailleurs, traverser sans en être vraiment sorti encore. Franchement, c'était une époque où il faisait bon vivre, on pouvait fumer, on pouvait voir des... On pouvait conduire à 140 à l'heure. On pouvait aussi ne pas se faire attaquer dans certains quartiers. Voilà. Vous voyez ce que on pouvait pas se faire inquiéter. Voilà. Les gens étaient quand même globalement heureux à l'époque. Aujourd'hui, c'est la sinistrose permanente. Alors peut-être que les films de Claude Zidi ont bien vieilli. Mais celui-là, je pense qu'il a vieilli. Et vous avez sûrement raison, mais malgré que ça vous a peut-être un peu déçu, moi, je vais les revoir. Ah oui, non, mais revoyez-les. Revoyez les sous-doués, passe le bac. Mais sincèrement, je suis assez bon public, mais sincèrement, il y avait quand même des... Et puis Grâce de Capitani, je ne l'ai pas vu. C'était un humour... Vous êtes sûr de ça dans le deuxième. Mais pas dans les sous-doués, passe le bac. Non. Justement, et c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas Grâce de Capitani que j'étais un peu déçu. Alors, je reviens là-dessus. Une idée m'est venue en vous écoutant. Je disais tout à l'heure que les thèmes évoluaient et changeaient en fonction de l'actualité. Nous avons maintenant, je dirais, un secteur médical très enrichi avec le Covid à la Librairie française. Vous voyez, les livres concernant la Covid ou le Covid, je ne sais pas comment on prononce. La Covid. La vaccination, les livres du docteur Raoult, Lorgeril, Perron, etc., etc. Nous avons maintenant carrément une table... Et vous confirmez que ça se vend bien, les bouquins de Perron, de Raoult ? Je confirme que ça se vend bien, mais... Comme ça se vend partout, on ne peut pas dire que nous soyons les seuls. Dans les intermarchés, on vend des ouvrages sur la vitamine C. Et d'ailleurs, je vais demander à Thibaut de Chasset qui m'offre une blouse blanche avec un caducé parce que les gens sont tellement inquiets avec ce qui se passe que certains posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre avec pertinence. Mais c'est vrai que la rubrique santé... Les réponses sont dans les livres. Oui, alors il y avait quand même, avant que j'arrive, un certain nombre d'ouvrages qui étaient, très sceptiques à l'égard de la vaccination. Certaines Sylvie Simon, que je ne connais pas, qui est morte maintenant, qui est décédée, qui était une amie de Claire Sévrac, je crois, elles ont écrit des livres ensemble. Il y avait déjà tout un tas de bouquins. Et j'avoue que moi, qui ai été vacciné contre la grippe plusieurs fois, vis-à-vis de certains clients, je passe un peu pour une fiotte, vous voyez.
Mais je n'en ai que plus de poids à mettre en cause l'expérimentation non, actuellement. On peut, parfois, on a un peu tendance à mettre sur le... de simplifier un peu les choses, d'une manière peut-être un petit peu fausse, en tout cas. Bon, la vaccination aussi, je ne parle pas de la vaccination actuelle, mais je parle... expérimentale. Oui, non, mais je parle contre la polio. Ouais, oui, oui, bien sûr. Bon, voilà, elle a eu quand même eu son utilité, parce que d'abord, elle a eu cet effet avec un certain recul, ça a été fait dans des conditions un petit peu différentes de celles qu'on nous propose aujourd'hui. Et, bon, là, personne ne nie, là, enfin, personne, il y a peut-être des gens, mais enfin, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faut nier... L'utilité du vaccin. Ah non, mais maintenant, le vaccin tel qu'il est proposé aujourd'hui, là, c'est un autre problème. Ce qui est dramatique, c'est qu'on ne peut plus aborder ce genre de questions. On est dans l'irrationnel total. Dans l'irrationnel, et plus, ça rend fou les gens. Le mot, je le cite souvent, c'est rare que je cite à Bernard-Henri Lévy, mais je le cite, son livre, le titre est explicite et résume toute la situation, c'est le virus qui rend fou. Il a rendu fou tout le monde. Probablement les gouvernements, et forcément avec leur propagande quotidienne pour terroriser les populations, ça a rendu fou les populations également. Ah ben quand il s'agit de Bernard-Henri Lévy, je sors mon joker. Quand on voit qu'un mois après... Si Bernard-Henri Lévy dit qu'il fait jour à midi, on ne va pas dire qu'il fait jour. La fin de l'obligation de porter le masque. Quand on voit qu'un mois après la fin de l'obligation de porter le masque à l'extérieur, alors qu'on sait aujourd'hui que ça ne sert strictement à rien, le masque à l'extérieur, c'est terrifiant. Une personne sur deux dans la rue a encore le masque et regarde méchamment la personne qu'il croise qui n'a pas le masque en disant il va me tuer celui-là, oui. Et l'autre qui n'a pas de masque qui le regarde en disant quel abruti. Vous voyez, c'est quand même terrible ce genre de choses. On a introduit un facteur de division. Parce que ce sont des gens qui ne vont pas à la librairie française. Les gens qui vont à la librairie française. Le port du masque obligatoire à la librairie française. Ah, bah attendez, Roland, que voulez-vous que je vous réponde d'autres. Bien sûr qu'il est obligatoire. C'est marqué d'ailleurs sur l'entrée. Ah, bah c'est écrit. Non, mais le masque est obligatoire. Selon les directives, je ne sais plus combien, du ministère de la Santé. Mais il est vrai que beaucoup de gens... Vous avez eu des inspections On a eu des inspections pour savoir si les antifas étaient passés. À chaque fois qu'il y a des flics qui sont passés à la librairie française, en tout cas depuis que j'y suis, c'était la question qu'ils me posaient. Ouais. Non, mais je veux dire, sur le port du masque, les clients... Alors, moi, j'ai eu beaucoup de commerçants qui m'ont dit, sur le port du masque, vous savez, on n'y croit pas, tout ça, okay, mais on est obligé de vous demander de le garder, tout simplement parce que nous sommes dénoncés. Nous sommes dénoncés par des gens qui passent, nous sommes dénoncés par des concurrents. Sport national, c'est le sport de la délation. Des gens sont fiers de dénoncer qui ne portent pas le masque. La peau était pleine tous les matins. Pour les pétochards qui ont peur, eux, mettent le masque, ils sont protégés. Donc, ils n'ont pas à avoir peur des autres. C'est au contraire, c'est les autres qui devraient avoir peur de leur inconscience terrible. Mais voilà, c'est comme ça rend fou tout le monde, la délation est lâchée. Ce sont des gens qui regardent la télé avec régularité. BFM télé, c'est toute la journée. Il faut voir comment ils opèrent. C'est très efficace. J'écoute 5 minutes d'information sur radio classique tous les jours. Que ce soit à 6h30 ou à 7h, à 7h30, ça dépend de l'heure à laquelle je me réveille, c'est invraisemblable. Propagande incroyable. En permanence. C'est grâce aussi à cette propagande médiatique mainstream du gouvernement que des librairies comme la vôtre, que des éditeurs comme Roland et moi pouvons effectivement survivre dans ce monde de brutes, parce que les gens finalement se rend fou une bonne partie des gens, mais il y a aussi des gens qui se disent c'est pas possible et cherchent à se renseigner, à lire autre chose et entendre un autre discours. Et puis je vous dis, nous à la librairie française, on pense pas comme Macron et sa clique, si j'ose dire, de mondialiste, parce que Macron n'est qu'un pion. Pour nous, l'humain n'est pas superflu. L'humain n'est pas superflu. Et vous pensez bien qu'avec mes origines rurales, de Maisoncelles du Maine, d'Ardange, etc., ça suscite un intérêt pour les êtres humains, même quand ils sont spéciaux. Voyez, c'est ça, c'est l'aspect littéraire qui, moi, me plaît dans cette librairie, de voir des phénomènes authentiques, des gens qui n'ont pas leur place ailleurs. Ils n'ont pas leur place avec un masque au Monoprix. Ils ont leur place à la librairie française parce qu'ils s'expriment librement et ils disent véritablement ce qu'ils pensent. Alors que ça tomberait sous le coup de la loi s'ils s'exprimaient comme ça devant une caméra de télévision. On est obligé de vivre un peu en parallèle, vous voyez. C'est un espace de liberté. Un espace de liberté française avec des gens qui parfois ne le sont pas, mais qui aiment la culture française, car on voit quand même des gens qui ne sont pas français de souche, qui ne sont pas vraiment français, mais qui aiment la France pour ce qu'elle peut présenter la librairie française et dans vos émissions, évidemment, de Télé Liberté. De soi. En cet été, la librairie est ouverte. Elle est ouverte tout l'été, de midi à 19h, du mardi au samedi, sauf le 14 juillet, par obligation, et le 15 août,
je dirais, là, en fait, c'est la fête nationale. La fête, oui, parce que nous sommes des catholiques quand même. Hein, mais vous pourriez rester ouvert le 14 juillet. Ça vous choquerait pas. Oh, écoutez, oui, mais je crois que je ne sais pas. Pas monde, il faut des autorisations particulières. Hein, je ne sais pas. Mais moi, ça. Mais c'est vous qui restez ou vous partez pas en vacances, Jean-Christophe ? Je vais partir en vacances au mois d'août. Mais je ne sais pas quand paraîtra votre émission, donc je ne vais pas parler de vacances. Si, mais elle paraîtra en juillet. C'est en juillet. Elle paraîtra en juillet. Donc en juillet, oui, quand elle paraîtra. Vers le 15 juillet, vers le 14 juillet. Oui, je rentrerai de vacances, je vais prendre une semaine. Et je serai absent les deux derniers jours, les deux dernières semaines d'août. Mais sincèrement, quand on travaille à la Librairie française, je vais vous dire quelque chose qui va surprendre la CGT, je pense, on n'a pas besoin de vacances. Les vacances, c'est quand le travail que vous avez vous ennuie, quand il vous fatigue, quand vous en avez ras-le-bol des collègues. Hein, moi, excellente relation avec le gérant, évidemment, que je salue et que je remercie. Que nous saluons tous. Et je le remercie encore plus de m'avoir invité. Et également avec mademoiselle Elisabeth, qui est notre nouvelle vendeuse. Voilà. Ouais. Une jeune fille charmante qui connaît bien les ouvrages, bien qu'elle soit là depuis très peu de temps. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas ma famille, que je souhaite évidemment revoir avec régularité, que je vois tous les week-ends, je pourrais très bien me passer de vacances. Parce que ce n'est pas désagréable de rencontrer des gens avec qui vous conversez. Bien sûr. C'est tout. Bon, il faut le dire. Quand on a la chance de faire un métier qui nous plaît. Voilà, donc un métier passion, en fait. Passion. On ne fait pas pour l'argent. Ah ben ça, généralement, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Vous avez des livres d'éditeurs non conformistes. Vous cherchez quand même ce qui peut sortir un peu du lot. Mais si des gens viennent vous demander des livres, vous pouvez commander des livres aussi. On peut commander tous les livres à condition qu'ils n'offensent pas la religion catholique. Ah. Voilà. Là, c'est la seule réserve que nous avons, mais on peut commander toutes sortes. Ça, il y a tous les autres libraires pour ça. Bon, oui, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on a des clients, je pense à l'un en particulier qui habite dans l'immeuble et qui a des problèmes de santé, qui nous commande des ouvrages de théologie que bien des séminaristes d'aujourd'hui ne pourraient pas lire, d'ailleurs, entre nous soit dit. Eh bien, quand on connaît les personnes, on peut commander toutes sortes de livres. Voilà. Mais un libraire doit commander toutes sortes de livres. Le problème après, c'est qu'il fait intervenir ses choix personnels, ce qui d'ailleurs en soi n'est pas condamnable. On a bien le droit de dans un pays qui se prétend libre. Mais nous pouvons vendre toutes sortes de livres. Il y a des livres qu'on vend, qu'on ne met pas sur le site. Parce que, je vous dis, on est pris par la place. On a quand même, vous connaissez, c'est un côté sympathique, c'est un côté un peu Capharnaüm aussi. Oui, mais ça plaît beaucoup. C'est sympathique. C'est un débat, certains disent, c'est le boui-boui, mais... Personnellement, moi, j'ai toujours aimé... Si vous vendez, c'est l'essentiel. Écoutez, le boui-boui avec des livres, ça ne me gêne pas. Ma compagne considère justement ce côté un peu désordre Capharnaüm. Elle adore ça et elle trouve que c'est le plus beau compliment. Mais elle n'est pas la seule, Dieu merci. Les autres librairies sont différentes. C'est plus strictement rangé, on va dire. Eh bien, je vais l'accéder. Rangé différemment. J'ai dit plus strictement. L'important, c'est que vous sachiez exactement où chaque livre se trouve. Mais là, c'est justement la spécialité du libraire, de savoir exactement où le bouquin se trouve. C'est pour ça que je veille très attentivement quand il y a des clients qui lisent, qui discutent, qui viennent prendre un café, qui relisent, qui discutent, etc. Où ils reposent le livre. Ah voilà. Je leur dis, c'est pas parce que j'ai la moindre méfiance à votre égard. Je sais qu'il y a très peu de voleurs. Je sais même pas s'il y en a un, mais je veux absolument savoir où est le bouquin. Ne serait-ce que pour mon image. Quand quelqu'un après que pour le prochain qui le voudra. Mais oui, quand vous avez rangé les livres vous-même, c'est là où on voit que la mémoire est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a des bouquins qui ont été rangés à tel endroit, sans aucune logique. Mais mon cerveau les a identifiés ici. Donc je me lève un peu comme un type qui aurait été vacciné. Je me lève de moi-même comme un automate et je sais que le bouquin est à tel endroit. Par contre, on a quand même des procédés mnémotechniques. On classe un peu les auteurs par affinité, vous voyez. On met les fascistes d'un côté, les cathos traditionnalistes de l'autre, les types un peu qui passent à la télé. Vous voyez, on a des repères mnémotechniques. Mais dans l'ensemble... Je craindrais d'avoir un jour une application qui permette de faire sonner tel bouquin, vous voyez ? Tel bouquin de Randa, tac, tac, ding, 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 ding. C'est encore capable de venir. Mais je pense que ça viendra. Mais je ne serai plus là. Et à la limite... Ce sera un autre monde. Oui, mais ce qui est intéressant, là encore, c'est l'humain. L'humain avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités. L'humain qui n'est pas bon, qui s'exprime mal, mais on voit ce qu'il veut dire. Il bégaye un peu, mais il remet ça, puis finalement, il a craché sa phrase. C'est ça qui est intéressant. C'est l'aspect humain. Et l'aspect humain, ça n'est pas la perfection. Mais voilà. Vous disiez à l'instant, je ne serai plus là. Mais si nous nous battons, ce n'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour les générations futures. Oui, mais je veux dire, j'en sais rien, là, on est dans la science-fiction, mais on voit bien que les applications, les objets connectés,
Le peu que j'ai lu sur le sujet, je vois bien que c'est le grand enjeu, que tous les objets soient connectés, pour qu'on sache exactement où ils sont. Donc quand le bouquin sera connecté, le type, au bout de 2 minutes, on ne lui aura pas trouvé son livre, il râlera. Donc il appuiera sur le bouton et l'objet connecté lui arrivera au visage. Et voilà, alors un petit plaisantin, j'espère qu'il pourra mettre un mécanisme pour que le bouquin lui tombe dessus de manière violente. Mais ce monde-là, personnellement, je ne peux même pas l'imaginer. Parce que je trouve que là, l'humain sera devenu superflu. Et si je devais laisser, pour conclure sur le sujet, la librairie française, c'est une librairie humaine. Et vous le savez. C'est, ce qui compte, c'est ça. Les gens qui viennent, quels qu'ils soient, venez comme vous êtes, dit une célèbre publicité, je crois. Eh bien, venez comme vous êtes, vous serez reçus tel que vous êtes. Et dans la mesure du possible, on essaiera de vous élever l'âme, si j'ose dire, pour les ouvrages catholiques. Alors, dites-moi, mon cher Jean-Christophe, l'heure avance et il va falloir tarder à arrêter là cette émission parce que c'est passionnant. Alors, dites-nous juste en ce moment, là, où, ces dernières semaines, enfin au mois de juillet, juin, juillet, quelles sont les meilleures ventes de livres? Les meilleures ventes, je vous dis, c'est le dernier ouvrage de Bernard Lugan. Pour répondre au néo. Le titre est assez difficile à retenir. Excellent ouvrage. Bernard me l'a gentiment dédicacé. Excellent ouvrage, je ne l'ai pas lu parce que je vois ce qu'il y a dedans. Passionnant. Les ouvrages de Lugan se vendent très bien. Généralement. Esclavage, idée à l'endroit. Histoire à l'endroit. Algérie, histoire à l'endroit. Ces trois livres-là. Très bien vendu. Mais Bernard Lugan n'est pas du genre à raconter n'importe quoi. Donc Bernard Lugan est surtout très productif. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se repose, mais je veux dire, il faut quand même reconnaître que c'est au minimum 1 ou 2 livres par an. Minimum. Donc, plus sa lettre, plus sa revue L'Afrique réelle, plus tout ça. Les ouvrages d'Abosi se vendent très bien. Abosi, très productif. Très productif. La gauche est une maladie mentale. C'est quoi son dernier livre, Adrien? Les apôtres du salut universel. C'est un livre, je dirais, qui concerne Vatican II. Mais c'est l'ensemble de ses œuvres. Il a écrit une dizaine d'ouvrages et ça se vend très bien. Ah, il a été édité avec, je profite pour juste faire une petite parenthèse, son éditeur avait édité il y a quelques années un livre que moi j'ai trouvé remarquable. C'était un roman, il s'appelait Le journal d'Anne France. Ah oui, alors Le journal d'Anne France, c'est un livre, un roman, premier roman écrit par Romain Guérin. Exactement. Donc ça, on le vend. C'est un livre poignant. Ouais, et vraiment, je conseille vraiment à tous C'est une réussite. Romain Guérin a réécrit d'autres livres depuis, mais ce premier livre, le Journal d'Anne France, il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Ouais. Et c'est un livre remarquable. Et c'est un livre qui a été vanté, figurez-vous, par Jean Raspail, peu de temps avant qu'il nous quitte, qui a parlé de chef-d'œuvre, je crois. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Disons que c'est un livre qu'on vend. C'est devenu une sorte de petit classique du premier roman, et donc on en vend. Effectivement, c'était édité par les éditions Altitude, ça ne l'est plus maintenant. Romain Guérin a repris son titre, ça se vend. Vous avez également les ouvrages de Soral, qui se vendent très bien. Les ouvrages de Youssef Hindi, L'autre Zemmour, on en a vendu beaucoup. Vous avez des ouvrages de Rissen. Quand il a été en Bastillé, effectivement, on a vendu beaucoup de Rissen, on en vend toujours. Les ouvrages aussi de Guillaume Fay, vous le savez, puisque Philippe, l'archéofuturiste notamment, et les bouquins de L'Abériou sur la question juive et le Talmud, ça se vend bien. Là, on est dans la littérature un peu plus sulfureuse. Et vous avez un ouvrage également d'un certain Plaquevent sur Soros, qu'on a bien vendu. Vous avez également l'ouvrage de Patrick Buisson, La fin d'un monde, qui part bien. Mais ça, c'est des ouvrages qu'on peut trouver. Oui, c'est un peu grand public. Un peu grand public. Mais c'est quand même pour public, si vous voulez, quand il parle de la déflagration qu'a été Vatican II dans la société française. Bon, oui, ça reste. Que je ne veux pas me montrer. Non, ce que je veux dire, c'est que les ouvrages de Patrick Buisson, on les trouve. On les trouve partout, bien sûr. Je suis à l'Intermarché à côté de chez moi. Voilà. Alors, les ouvrages des éditions. Il n'y a rien de péjoratif. Non. Mais les ouvrages des éditions des CIM que Thibault dirige, vous avez les ouvrages d'Alain Pascal. On vend du Alain Pascal tous les jours. Et Alain Pascal, quand les gens ont mis le doigt dedans, si j'ose m'exprimer ainsi, ils lisent les 8 bouquins. L'agnose, il y a beaucoup de personnes, je vous dis, une curiosité très vive sur la face cachée de l'histoire. Eh bien, cette émission va... On va rappeler l'adresse de la librairie. Alors, la librairie française. 5 rue Auguste Bartholdi. Dans le 15e arrondissement. Ouverte de... De midi à 19h du mardi au samedi, on a l'impression d'être dans un centre de transmission en ligne. L'adresse du site, vous tapez la librairie française, et vous tournez. Mais le mieux, c'est d'y passer, vous aurez le plaisir de voir en chair et en os Jean-Christophe,
qui vous recevra toujours avec l'amabilité qui est la sienne. Et généralement des dédicaces avec des auteurs les samedis. Tous les samedis quasiment, tous les samedis des dédicaces, comme toutes les librairies. Et bien sûr, allez aussi dans les autres librairies, les librairies amies, que j'ai citées au début, librairie du Ken. En Vincent, tout cas, nous avons les meilleures relations du monde. Bien sûr, surtout qu'elles sont dans un mouchoir de poche, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, merci. C'était un plaisir. Alors, je termine juste pour dire un dernier mot. Vendeur polyvalent, ça veut dire qu'on vend également des tasses, qu'on vend des drapeaux, qu'on vend des CD, qu'on vend des boutons de manchette, des cravates fleur-de-lysée. On ne vend pas que des livres. Ah ben on peut aussi aller s'habiller, si je puis dire. On peut aller s'habiller. Merci pour les pantalons, mais il y aura l'eau. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons maintenant qu'au mois de septembre, parce que tout a une fin, cette saison a une fin, mais ça sera une nouvelle saison. Et on aura le plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. À très bientôt.